Eh bien le bonjour, ou plutôt bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de Luigi's Mansion, ou plutôt de mon avis sur Luigi's Mansion. Mais ferme-la! Bon, je pense que tout le monde à peu près connaît l'univers de Mario, du moins j'espère, parce que si vous connaissez pas, vous avez loupé votre vie. À part si vous connaissez The Legend of Zelda. Bon, je vais faire un petit récapitulatif. Luigi fait partie de l'univers Super Mario. C'est le frère de Mario, il est peureux de base, mais il ne veut pas devenir un héros. Mais comme son frère existe, il porte ses balls et a l'aide de ses aventures incroyables pour défoncer un reptile. Chose à savoir, Luigi, dans la plupart des jeux Mario, est un personnage secondaire. On ne peut pas le contrôler et c'est plutôt un personnage inutile. Putain, bordel de merde. Luigi, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, bordel? Comme par exemple, dans Mario Odyssey, Luigi est un personnage secondaire avec des défis à la con. Mais comme Nintendo n'encule pas trop les fans de Luigi, Mario peut acheter son costume. Ouais, c'est bien triste. Mais je voulais jouer avec Luigi, putain, fais chier, mais niquez vos mères, on vous remet à les reines des putes! T'en fais pas, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense avoir à peu près tout dit sur le personnage, maintenant, passons au jeu. Luigi's Mansion, en français, qui donne Luigi Mission, si tu es con. Luigi gagne un manoir qu'il a gagné à un concours auquel il n'a jamais participé, donc fuck la logique, tu vois. Quand Luigi a appris la nouvelle, il invite son frère, tu vois, pour fêter l'événement, logique. Mais tu vois, ça se passe pas comme prévu quand il arrive dans le manoir. Il apprend, d'après Monsieur Catastrophe, c'est un scientifique, tu vois, que Mario s'est fait enlever par des fantômes. Oui, on encule vraiment la logique ici. Super pour Luigi, parce que si vous ne savez pas, il a peur de fantômes. Bon, tu vois, Luigi, c'est un garçon, il a des couilles. Du coup, il va suivre courir son frère. Waouh, il va buter les fantômes comme Mario? Non, il va les buter à l'aide d'un aspirateur. Oh, d'accord. Ah, c'est un peu de la merde quand même. Mais l'aspirateur, tu sais d'où il vient? Bah, catastrophe, logique, parce que c'est un scientifique. Donc Luigi commença son aventure plutôt fantomesque. Le jeu est très bon. C'est un jeu d'action, d'aventure. Tu explores le manoir, tu aspires des fantômes. Encore que c'est ça, et que c'est pas de la merde pour un jeu Luigi, sinon, franchement, j'aurais été déçu de la part de Nintendo. Je trouve que l'histoire est géniale pour le 1 et 2. Car franchement, je kiffe ces pépites, bordel de merde. J'ai tout simplement hâte que Luigi's Mansion 3 sorte sur Switch pour pouvoir vous parler de mon ressenti sur ce prochain opus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner, mettre un commentaire et un poutou sur la couille. Allez, salut mon pote. Au fait, toi, c'est qui ton perso préféré? Marque-le dans le commentaire. Quoi? Non, non, c'est pas pour avoir des commentaires que je fais ça. Non, je suis gentil moi. Allez, salut. Mm-hmm.